On le sait, apprendre, c'est le propre de l'homme. Aujourd'hui, tous les neuroscientifiques sont d'accord là-dessus. Aucune autre espèce que la nôtre ne possède cette capacité d'apprendre aussi vite. L'apprentissage repose, vous l'avez montré, sur les modifications des circuits de notre cerveau. Mais comment ça marche eh oui, Vous vous êtes demandé ça Comment ça marche À quoi ça sert Comment bien apprendre Comment mieux apprendre Voilà un livre absolument passionnant. C'est un livre qui relève de l'enquête autant que du récit, qui relève des neurosciences, mais aussi bien de la psychologie, et puis qui propose une façon très claire d'enseigner à apprendre. Je rappelle, Stanislas Dehaene, que vous êtes professeur au Collège de France, euh, que vous y enseignez la psychologie cognitive expérimentale. On vous doit des livres absolument passionnants sur la bosse des maths, euh, sur les neurones de la lecture que vous avez euh, isolés, triturés et... et, et euh que vous nous racontez, et puis vous explorez sans relâche ce qui se passe dans notre cerveau quand nous l'allumons, pour reprendre l'expression de Laurent. Euh, Soyons très clair. quand j'apprends, quand on apprend quelque chose, que se passe-t-il dans mon cerveau Alors, euh, c'est vraiment la grande faculté du cerveau humain de se modifier. Et euh, apprendre, c'est la même racine qu'appréhender. Ça veut dire qu'on va internaliser dans notre cerveau une sorte de modèle du monde extérieur. Dit, Et, hein, le, le, le scientifique se fait linguiste. Mmh. Ah, euh, un tout petit peu, c'est dans, dans la mesure de mes modestes possibilités, mais apprendre, euh, appréhender. C'est appréhender, donc ça veut dire oui. construire dans notre tête un modèle, par exemple, de la langue. Nous avons tous un modèle de la grammaire d'une langue, un parfait modèle, mais néanmoins suffisant pour euh, simuler des phrases, simuler des phrases dans une langue étrangère aussi. Et la puissance de ces modèles, on le voit très bien, par exemple, lorsque vous rêvez. Hein. Mmh. Euh, vous rêvez, vous êtes... Euh, Allongé, vous êtes seul, et pourtant euh, votre cerveau va générer en lui-même la totalité de ce monde qu'on emporte avec nous. Alors, on commence à le décrypter par imagerie cérébrale et aussi, bien sûr, au niveau des circuits neuronaux. Et lorsque vous me dites qu'est-ce que c'est qu'apprendre, eh bien, apprendre, c'est aussi euh, ajuster les paramètres donc, de ce modèle interne qui, in fine, sont la force des synapses, les, les poids des connexions entre nos neurones. Imaginez le cerveau d'un petit bébé, mm -hmm. euh, parce que j'insiste beaucoup dans le livre sur, oui, sur l'extraordinaire puissance hein, ouais, du cerveau des petits-enfants. L'apprentissage, c'est vraiment la caractéristique euh, des tout-petits. Et euh, c'est un véritable bouillonnement, dans le sens très littéral. Lorsqu'on dit le le cerveau est plastique, on l'entend dans un sens vraiment littéral, c'est-à-dire que euh, ces unités qui sont les neurones bougent, elles, euh, les synapses qui relient les neurones euh, entre eux sont mobiles, et euh, c'est de l'ordre de plusieurs millions de synapses qui se font, qui se défont par seconde, parce que vous regardez un petit enfant. Voilà. Donc, imaginez un ajustement des forces de ces connexions entre les neurones euh, qui se traduit in fine par des changements anatomiques. Dans le laboratoire, on a scanné euh, des personnes qui sont analphabètes, on a pu les comparer avec des personnes qui ont été alphabétisées. Eh bien, on voit l'ensemble des transformations massives qu'introduit euh, l'apprentissage de la lecture euh, dans le cerveau et la scolarisation. Et avec mes collègues, on a identifié en particulier une petite région dont on avait parlé dans les neurones de la lecture ouais. qui concentre la connaissance euh, des lettres et des chaînes de lettres. C'est elle qui fait que nous connaissons euh, de façon implicite les racines de la langue française, l'orthographe de la langue française, les structures et qui fait que lorsque nous voyons un mot en polonais, par exemple, nous disons bah, ça ne pourrait pas être un mot du français parce que les statistiques des lettres sont pas là. Donc apprendre, c'est Compiler des statistiques qui nous permettent d'avoir un modèle interne du monde extérieur. Et vous insistez beaucoup sur les bénéfices de l'apprentissage de la langue lorsqu'on est enfant, apprendre tôt. Vous dites que la plasticité cérébrale, à partir de 15-17 ans, euh, Commence à disparaître un peu et l'apprentissage euh, d'une autre langue devient plus compliqué, c'est ça C'est un peu triste parce qu'il y a une courbe effectivement de décroissance des capacités, de perte de cette plasticité pédiatrique qui n'est pas totale et qui dépend des régions. Alors, il faut comprendre que euh, ça, ça dépend beaucoup du système dans lequel on se situe, mais dans les systèmes perceptifs, par exemple ceux qui nous permettent d'entendre les sons d'une langue étrangère, de faire la différence que Moi je ne fais plus maintenant entre un tas dental et un tas rétroflexe qui est utilisé dans les langues indiennes, par exemple, ou ce qui permet à un japonais, euh, ce qui nous permet plutôt de faire la différence entre un R et un L, mais qu'un japonais n'entend plus. Vous savez que le japonais n'entendent pas la différence, je sais pas, entre une élection et une érection, par exemple. Ah bon Quand même un peu délicat quand il s'agit de Bill Clinton, par exemple. Euh, bon, mais dites euh, que c'est passionnant, eh on recherche sur le cerveau. Euh, vous voyez, ça, ça mène à tout. Hein. Donc tout ceci se produit dans la première année de vie. Euh, C'est important parce que quand on parle du langage, on a l'impression qu'il euh, faut attendre peut-être la deuxième année, la troisième année pour que l'enfant se mette à parler. En réalité, il a commencé à apprendre euh, sa langue maternelle, et éventuellement une deuxième, une troisième langue, dès la première année de vie. Mmh. Et ces paramètres des consonnes, des voyelles d'abord, au bout de six mois, et les consonnes, se fixent au bout de douze mois euh, dans le cerveau du petit bébé. Vous ça vient ça, on est fixé. Non, non, pas du tout. Mais par contre, j'ai constaté, malheureusement, que c'est beaucoup plus dur d'apprendre une langue passé 30 ans. Ouais, je, je bute encore sur, sur le hongrois, moi. C'est difficile. Alors, c'est vers la puberté que vous avez perdu cette capacité. Et pourtant, je l'ai euh... très tard. Moi, je dans le, Facebook <laughs> des pubertés tardives. Mais bon. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas apprendre des nouveaux mots, bien entendu. Hein. Un lexique, une grammaire, on peut encore l'apprendre à tous les âges de la vie. Donc, la plasticité varie suivant le niveau où on se situe. Dans le cerveau, écrivez-vous quatre piliers pour l'apprentissage. Alors, ça, c'est passionnant. J'aimerais que vous nous les donniez, les quatre mmh. piliers, et puis on va les détailler ensuite. Premier pilier Alors, premier pilier, l'attention. Il module euh, ce que nous choisissons euh, de laisser rentrer dans notre espace de travail cérébral. Être euh, attentif. Euh, sans attention, il n'y a pratiquement pas de traitement profond des informations dans le cerveau. Deuxième Donc, pilier, apprendre à être attentif. Deuxième pilier, l'engagement actif. C'est-à-dire que le cerveau ne peut pas être juste passif. On apprend très peu en étant simplement passif et face à un cours magistral. Il faut que l'enfant ou l'apprenant soit engagé en train de générer des hypothèses. Le cerveau fourmille d'hypothèses qui va ensuite sélectionner. Ce qui nous amène au troisième pilier, c'est le rôle de l'erreur. Il faut pouvoir confronter ces modèles au monde extérieur. On fait une prédiction. On s'aperçoit que le cerveau est un système prédictif, anticipe sur le monde extérieur, compare. Euh, la prédiction avec la réalité et la différence, si elle existe, génère un signal d'erreur qui va se propager en retour pour mettre à jour nos modèles mentaux. Et quatrième donc, PD qui est donc, très inattendu. On ne peut pas apprendre sans faire d'erreur en tout cas, ouais. c'est un point vraiment essentiel et j'insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas confondre l'erreur qui va nous corriger et la sanction qui malheureusement souvent accompagne le fait de ne pas réussir à faire une tâche. Et qui nous renvoie à la question de la récompense, mais on va en parler dans un instant. Et Alors, quatrième pilier. pilier pas à le trouver sous la plume d'un neurologue. Il y a la consolidation euh, qui passe par la répétition des apprentissages jour après jour et avec un rôle tout à fait particulier du sommeil. On en parlera mmh. peut-être mmh. parce qu'on le sous-estime, ce sommeil. On considère que notre cerveau se repose à ce moment-là et pas du tout. C'est une découverte très importante, je pense, des neurosciences. Le cerveau travaille pendant le sommeil. Euh, on savait qu'il y avait des ondes de sommeil, mais on sait maintenant que le cerveau répète les apprentissages de la journée pendant le sommeil. Ce qui veut dire qu'il faudrait presque laisser les jeunes dormir. Et puis au moment où les hormones, par exemple, même tardivement pour Laurent Deutsch, mmh. se mettent en place à l'adolescence <laughs> tardive, peut-être a... pas commencer les cours à 8 heures, mais pour Laurent 14 heures et pour les autres 10 heures et demie. Il y a une recommandation de l'académie de pédiatrie, effectivement, parce que chez les adolescents, les cycles de sommeil se décalent. Et on sait bien, hein, et d'ailleurs, c'est pas forcément que de la mauvaise volonté, il peut y en avoir aussi, mais euh, les adolescents ont du mal à aller se coucher et ont du mal à se lever le matin. Et l'expérience a été faite de décaler l'entrée à l'école. Euh, et chez les adolescents qu'on laisse dormir une demi-heure ou une heure de plus avant de rentrer à l'école, et eh bien euh, le, la réussite scolaire est euh, améliorée. Etc. L'une des manières, il y a beaucoup de manières, je pense, dont l'école peut s'adapter à ces connaissances de sciences cognitives que j'essaye d'expliquer. Peut-être peut-on justement revenir sur ces quatre piliers, commençant par celui de l'attention, si vous voulez bien, car il y a dans votre livre énormément d'expériences que vous proposez euh, et, et que chacun peut faire, du reste. Vous insistez donc sur l'importance de ce premier pilier, l'attention. Alors je vous propose à tous et à toutes. Euh, une petite expérience collective nous allons tester à la fois votre attention si vous le voulez bien et démontrer qu'il est impossible de faire deux choses en même temps. je voudrais que tous vous regardiez l'écran qui se trouve là derrière moi euh, vous sur le plateau et vous s'il vous plaît derrière votre téléviseur regardez bien voilà deux équipes les noirs et les blancs. bien je voudrais que vous comptiez le nombre de passes exactes que va se faire de l'équipe blanche vous pouvez le faire à voix haute. Le nombre de passes exactes de l'équipe blanche, soyez très attentif. C'est parti. Laurent. 1. 2. 3. Quatre. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 16. Vous avez à combien, vous 16. Bernard 16 aussi. Ah. Et 16. Marie Moi, bah, j'en ai loupé une, 15. Ah, vous êtes à 15 Oui. Ouais. Mais la vraie question n'est pas là. En fait, avez... ah. ce n'est pas ça qu'il fallait voir. Ah. Non. <laughs> ouais. Mais oui, regardez. Et regardez le... ce qu'il fallait voir. C'est un piège. <laughs> Est-ce ah que vous avez vu ce gorille Non, non, il n'était pas, pas, pas là. Pas pas là. Pas Alors, vous ne l'avez pas vu, pas pas vu Non. non. Ah, non oui. est... un gorille il qui il passe au milieu pas des blancs et des noirs. Qui l'avait vu sur le plateau Bernard J'avais lu le livre, donc je l'ai ah. vu, bien sûr. Effectivement, si on n'est pas préparé, c'est une expérience qui est authentique, qui a été réalisée à l'Université de Harvard, et beaucoup d'expériences de ce style qui nous montrent que... Lorsqu'on n'a pas l'attention fixée sur un objet, on ne le voit littéralement pas. C'est-à-dire que l'attention est une sorte de porte d'entrée dans l'espace de travail de notre cerveau, l'espace conscient. Et euh, cet espace de travail ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Donc en vous concentrant exclusivement sur le fait de compter les passes, eh bien, vous perdez la capacité de prendre conscience euh, de quelque chose d'aussi frappant. Que ce gorille. On peut montrer que vos yeux se sont posés dessus. Alors, ce n'est pas une question de, de vision, c'est vraiment mm. une question de traitement à l'intérieur du cerveau. Alors j'utilise cette expérience, beaucoup d'autres, pour dire euh, euh, laissons les enfants se concentrer. La manipulation de l'attention est absolument essentielle. Et lorsqu'un enfant vous dit je ne vois pas, eh bien euh, c'est parfois au sens très littéral. Vous ne concevez pas qu'on puisse ne pas voir tel ou tel concept, tel ou tel objet, mais euh, comme l'expérience vous le montre, on peut très bien ne pas voir des choses qui sont sous nos yeux. Euh, il y a un chapitre passionnant, Stanislas Dewan, sur la curiosité. Être curieux, écrivez-vous, c'est vouloir savoir. Et ça fonctionne grâce à un système de récompense dans le cerveau qui est euh, la dopamine, c'est ça Le, le circuit, circuit de la dopamine. Voilà. De la dopamine est un circuit très ancien qui existe chez très nombreuses espèces et qui euh, détermine en quelque sorte nos motivations à explorer le monde extérieur. C'est un circuit de la récompense qui va nous encourager à aller rechercher de la nourriture, des partenaires sexuels, etc. Et chez l'homme, euh, à augmenter sa fonction pour inclure une curiosité qu'on peut appeler épistémique, c'est-à-dire une curiosité d'apprendre. Et nous sommes une espèce tout à fait particulière de ce point de vue-là, nous avons une période d'apprentissage extrêmement longue, et ce système de curiosité nous oriente vers tout ce que nous ne savons pas en réalité, il nous oriente vers des domaines dans lesquels nous pensons que nous pouvons apprendre. Mmh. Alors l'espèce humaine va jusqu'à être curieuse, euh, par exemple, de l'astronomie, euh, ce qui n'a aucun intérêt pratique évidemment pour la survie de notre, notre espèce, mais euh, c'est cette euh, capacité de créer des modèles scientifiques du monde extérieur qui a permis à notre espèce de quitter l'Afrique, d'envahir la planète tout entière, d'aller sur la Lune. Euh, c'est le succès de notre espèce est lié au fait qu'on n'a plus vraiment de niche géographique, contrairement à toutes les autres espèces animales, mais on a une niche euh, intellectuelle, une niche mentale, c'est la capacité euh, de faire sens du monde extérieur. Et ceci, je le répète, dès la toute petite enfance, je dis que le, le bébé est un scientifique en herbe. Le bébé se comporte comme quelqu'un qui fait des expériences pour comprendre le monde extérieur. Mais alors pour quelles raisons euh, venez-vous si souvent sur le bébé On a le sentiment que l'enjeu de votre travail euh, de neuroscientifique, c'est de vous intéresser au langage, de vous intéresser à l'éducation. Oui. Est-ce que l'on pourrait... Dire que l'enjeu, c'est de refonder l'éducation nationale, même, sur les principes de la biologie cognitive. Moi, si j'irais jusque-là, parce que la, la science est encore modeste, mais j'ai écrit ce livre avec l'idée qu'il y avait quand même énormément de données qui étaient disponibles maintenant. On commence à comprendre cette machine extraordinaire qu'est mmh. le cerveau. Et euh, effectivement, ces données me semblent euh, suffisantes déjà pour former une sorte de corpus que euh, les. Euh, enseignants, les parents aussi euh, devraient connaître. Et en fait, euh, chacun d'entre nous, on doit apprendre à apprendre. On utilise cet organe magnifique qu'est le cerveau de façon intuitive, mais on n'a jamais vraiment appris à apprendre. Il y a un certain nombre d'astuces, comme les manipulations de l'attention, la manipulation du sommeil, euh, qu'on peut faire volontairement, qu'on peut apprendre mmh, mmh. à faire, qui vont maximiser cette capacité d'apprendre. Apprendre à apprendre, Bernard Cerchidini, c'est quand même ça aussi, hein, l'enjeu demain pour apprendre les langues, pour apprendre notre langue. Oui, et pour, pour l'école, une des grandes vertus de, de cet ouvrage, c'est de ruiner la fausse opposition entre les, les pédagogues et, et les savants. Vous le montrez. La grande pédagogie, depuis Piaget jusqu'à oui. vous, elle est fondée sur des savoirs solides, expérimentaux. Oui. Et, et on en tire de, de ces une admiration accrue pour l'école maternelle, où l'enfant joue, oui. où l'enfant met en œuvre sa curiosité, oui. son désir d'apprendre, libido scendi on disait au, au Moyen Âge, pour maîtriser des savoirs, et des informations. Mmh. C'est tout ce jeu de, de l'école maternelle française qui est brillante car elle est fondée sur des savoirs et des intentions pédagogiques claires. Alors je ne vais pas prétendre non plus... Euh apprendre aux enseignants ce qu'ils doivent faire. Moi, je suis un scientifique le... de laboratoire, j'essaie d'expliquer un certain nombre de principes d'organisation du cerveau, ces, ces fameux piliers ou ces grands principes, mmh. et je pense que il y a encore un travail considérable à mener en lien avec l'éducation nationale pour transformer ces idées scientifiques en réalité à l'école. Les enseignants Alors, font bah, un extrêmement ça, difficile. Ça, c'est un autre chapitre. Euh, euh, voilà, j'essaie d'aborder quelques pistes. Il y, a, il y a des pistes réelles. Par exemple, il a été montré qu'une classe qui est trop décorée euh, agit comme le film qu'on a vu tout à l'heure, distrait les enfants et ouais. Dans une certaine mesure, il les empêche d'apprendre. Donc, il y a des conséquences concrètes. Et puis, il y a des conséquences également sur la langue, puisqu'on parlait tout à l'heure de la langue française qui nous réunit aujourd'hui. Euh, vous suggérez que un cerveau bilingue, qui connaîtrait très bien son propre langage, sa propre langue, mais aussi une autre langue, résisterait mieux. À la maladie d'Alzheimer. Oui, il y a des données épidémiologiques qui vont dans ce sens. C'est-à-dire que euh, bon, dès le début de la vie, hein, lorsqu'on apprend une seconde langue, en fait, on raffine euh, les réseaux cérébraux euh, du langage, on le voit dans le cerveau. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les personnes qui oublient leur première langue. Vous savez, on a étudié des, des personnes qui sont adoptées. Donc, euh, dans notre cas, c'était des adoptés euh, coréens qui sont adoptés dans une famille française. Ils ont vécu 5 ans, 7 ans, jusqu'à 9 ans. Euh, dans euh, la langue coréenne, et puis euh, elle n'est plus pratiquée autour d'eux. Ils l'oublient, mais leur cerveau conserve une trace de cet apprentissage précoce, et on peut le retrouver par la suite. Alors le bilinguisme, effectivement, euh, conduit à une sorte d'expansion des réseaux cérébraux, euh, un redoublement, un triplement peut-être si on maîtrise trois langues, et ce n'est pas difficile du tout pour les petits-enfants. Et effectivement, dans les euh, années de la vieillesse, euh, va, dans une certaine mesure, protéger euh, de l'arrivée des premiers symptômes de maladies euh, neurodégénératives. Voilà, il y a énormément de pistes dans ce livre. Apprendre, point d'exclamation, les talents du cerveau, le défi des machines. Vous parlez bien évidemment de l'intelligence artificielle. Vous nous rassurez abondamment sur les incompétences des machines et les grandes compétences, pas encore totalement euh, détaillées, euh, du, de l'homme. Homo docens n'est pas homo sapiens, celui qui veut apprendre. C'est aux éditions Odile Jacob.